C'est bientôt Pâques et les préparatifs vont bon train dans la région du Bélier. C'est la ville de Tibissou qui a servi de cadre au lancement de la première édition de Pâquinou Régional du Bélier. Cette rencontre socioculturelle et de promotion touristique de la région du Bélier aura lieu du 17 au 20 avril 2014. C'est le Premier ministre, ministre d'État, auprès du Président de la République et Président du Conseil Régional du Bélier, Jeannot Ahoussou-Kouadio, qui a donné le top départ. La cérémonie qui nous rassemble ici à Tibissou, dans la région du Bélier, révèle une importance capitale à la fois pour le Conseil Régional, le district de Yamoussoukro, que pour les populations de la région et celle de Tibissou en particulier. Pâquinou Régional s'inscrit dans le cadre de la stratégie globale de promotion économique et culturelle déclinée par le gouvernement dans le PND, Plan National de Développement 2012-2015, et s'intègre harmonieusement aux axes prioritaires de développement validés dans le Plan Stratégique Régional de Développement de la région du Bélier. Jeannot Ahoussou-Kouadio avait à ses côtés plusieurs personnalités, au nombre desquelles le ministre du Tourisme, Roger Kakou, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, l'ensemble du corps préfectoral de la région et de la chefferie traditionnelle. L'un des temps forts de cette cérémonie, la signature de convention de partenariat entre le Conseil régional du Bélier et Côte d'Ivoire Tourisme, représenté par son directeur général Jean-Marie Sommet. À cette première édition de Pâquinou Régional du Bélier, plus de 200 000 festivaliers sont attendus.